Salut tout le monde, aujourd'hui c'est programme voiture sans permis parce que ouais, je fais aussi de la voiture sans permis, notamment que celle de mes proches, c'est-à-dire mes parents, tante et oncle qui ont des voitures sans permis. Voilà, et puis aussi bah, après tous les autres voitures avec permis, même poids lourd. Voilà, donc là au programme sur cette voiture, sur la Exam Crossover, si je me gourre pas, et pas Crossline. Crossover qui est de 2013, là c'est changement de mâchoire de frein arrière. Alors j'ai déjà fait à côté il y a déjà quelques jours de ça, et j'ai pas pu refaire sur le côté gauche parce qu'il faut un outil, il faut un arrache tambour précisément. Donc moi je m'en suis fabriqué un, donc j'ai fabriqué ceci, l'arrache tambour. Le problème c'est que la vis au centre elle est pas centrée, et en plus de ça bah, j'avais mis une rondelle, la rondelle bah, la soudure elle a cassé sur la rondelle, donc je l'ai pas ressoudé, mais bon comme j'ai des postes à souder normalement ça devrait pas être compliqué à le refaire, mais c'est juste après il faut bien limer la rondelle pour pas que ça se met dans l'axe, et là bah, en gros tu passes ta vis dans l'axe et tu bloques l'outil dedans. Donc soit tu prends un arrache tambour, soit tu t'en fabriques un comme j'ai fait. Donc moi ça a fonctionné. Tu peux aussi normalement le faire avec deux tournevis ou le tirer quand c'est fort usé ou autre. Hein, ce que j'ai pu comprendre, tu tires dessus, des fois il tombe tout seul. Voilà, cette petite voiture. Problème, pourquoi il faut faire les freins. Hein, comme une fois que le garagiste nous a dit, c'est non, vous inquiétez pas. Il n'y a pas besoin de faire d'entretien sur la voiture, juste l'entretien moteur, la vidange, mais le reste, c'est à vie. À vie, ouais, mais de quelle vie? Donc voilà, donc là, il y avait le cylindre arrière droit qui a commencé à fuir, donc comme ça contaminait la garniture, et par expérience, je sais qu'une garniture contaminée, t'as beau l'essuyer, mettre du nettoyant frein, le produit il ronge la garniture, et tu peux recommencer ce que tu avais fait dans les 1000 km à venir. Voilà, donc liquide de frein, une goutte de liquide de frein que tu fais tomber sur ta nouvelle garniture de frein, plaquette de frein, tu peux les changer parce que ça va te la ronger, ça va te la bouffer. Par expérience, je l'ai fait deux fois j'ai eu le tour. Très important le point de levage sur les voitures sans permis, c'est du plastique et c'est un arceau en aluminium. Il y avait. Mais il y en a, c'est passé en acier, mais c'est de la merde. Donc, c'est ça, je me gourre. Le fond est en aluminium, l'arceau est en acier, tube, carré, bien sûr, sinon c'était trop cher du rond. Et tout le reste est en plastique. Si tu le mets mal, tu passes à travers. Et du coup, bah, tu fais tout péter parce que le dessous, comme il est en alu, il est tenu par des rivets. Et bien, bah, tu fais sauter les rivets. Voilà. Donc pas besoin de lever la voiture aussi haute, mais bon, ça peut servir. Là, je suis baisé, bah ouais, ça m'aurait même pas étonné. Voilà. Il n'y a plus de frein à main. Ouverture du coffre parce que le produit est derrière. Alors. Voilà. N'oublie pas de prendre du liquide de frein, de la Dot 3, il y en a largement assez pour moi. Ça sert à rien de prendre de la Dot 4, ni de la Dot 5, et ni au cas où, et encore, tu peux prendre de la 5.1, c'est la base de silicone, ça évite que ça va gripper tes cylindres de roue, mais crois-moi, que même de la Dot 3, Dot 4, gré tes cylindres de roue, ils vont fuir bien avant. Parce que les voitures sans permis, les pièces, c'est de la merde. J'arrête pas de le dire. C'est de la merde, les voitures sans permis. Vous vous faites arnaquer quand vous achetez des voitures sans permis. On vous vend ça le prix d'une BMW, alors que la qualité, c'est de la merde. C'est une arnaque, du moins, peut-être les autres marques, je sais pas, mais cette marque-là, Exam, c'est une arnaque. Vous vous faites couillonner quand vous achetez ça. Tout a été. Les canalisations, les durites de frein
moteur à l'arrière changé. Changé parce que ça pissait du gasoil. Les diorites de frein, ils étaient poreuses. Le gasoil a fini par bouffer les diorites de frein. Pas les diorites de frein, les diorites de gasoil plutôt. Je vous mens pas, je vous ferai voir. On a mis des diorites de gaz, des tuyaux de gaz. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'il est mis. Voilà, il tient. Ouais, il m'a dit il y a un écrou qui est en train de. Il est en train de foirer. Puissante, mais elle est pas. Tu fais pas attention, tu te casses le poignet avec la déboulonneuse là. Même la roue. Même la roue, tu vois, elle est même pas épaisse. Tu mets du poids là-dedans, bah c'est la roue qui casse. Tellement qu'elle est épaisse là. Le centre de roue. Voilà. Alors. On m'a dit que sur les filetages, j'en avais une. C'était bof bof. On a dû faire attention parce que il y en a une qui pense que le filetage est en train de s'arracher. Donc il faut que je regarde. Ah, peut-être celle-là. Donc là, en fait, le tambour, il est tenu avec l'amortisseur. Donc il faut retirer cet axe. Et une fois que tu as retiré l'axe, après il faut arracher le tambour parce qu'il y a deux roulements. T'as un premier roulement ici et t'as un deuxième roulement. D'ailleurs, en parlant de roulement, les roulements sont morts. On les a pas. Voilà. 80 000 km. Je suis sûr que c'est des roulements de machine à laver ça. Parce que pour le poids de la voiture, moins de 350 kg. Bon, donc c'est ça qui dépendait. Le roulement là, il est mort. Voilà. D'ailleurs, même avant gauche, normalement je dois le faire, mais là-bas il est tenu avec un clips. Donc est-ce que j'aurai le temps de le faire maintenant? Je ne sais pas. Où est-ce que j'ai mis un truc que j'ai fabriqué? Là. Voilà. Quand il va avoir trop pour le pique-nique, il va avoir son permis. Il va en avoir plein de recalés, mais on voit déjà lui, il vient pas. Donc voilà comment j'avais fait mon petit système. Donc je le mets comme ça et comme ça. Hop, comme un arrache quoi. Voilà. Donc je vais venir les visser après. Faut que j'arrive à mettre la deuxième. Voilà, j'ai une chance sur deux que je suis bien et que je suis pas dans le roulement parce que sinon j'arrache le roulement. Ah ouais, ça coupe. J'avais oublié. C'est enlevé et je me suis coupé. Plus qu'à espérer que j'ai pas arraché un roulement. Pour ceux qui veulent savoir, avant de commander,
La rêve du roulement, c'est un SKF 6005-6 2RSH. D'ailleurs, c'est le même. Derrière, c'est le même. Donc, c'est deux mêmes roulements identiques. Voilà. D'ailleurs, il y a un des roulements qui a déjà été fait. Parce que de l'autre côté, ils sont orange. Et là, ils sont noirs. Donc, tu vois, quand je te dis que c'est pas fait pour durer, c'est des deux. C'est pas le même. Bon, bah maintenant que tu arrives ici, les freins, honnêtement, c'est simple à retirer, mais c'est aussi compliqué à remettre. Là, il est passé. Voilà. Donc pour retirer, c'est simple. C'est juste ça. Hop, c'est des agrafes en fait. Alors sache que sur le site où j'ai acheté, ils le vendent à part. J'en ai fait acheter qu'un seul, ça vaut 10 balles. Alors soit t'en achètes qu'un, soit t'en achètes pas. Mais moi je te conseille d'en acheter un parce que si tu casses une oreille, au moins tu l'as en stock. C'est vendu oreille, les tiges et les ressorts. Voilà. Parce que tu peux acheter tout au détail. Le ressort, tu vois, même là, si le ressort il casse, le plus chiant ça va être le ressort. Tu vois, lui je vais le changer parce que là je l'ai un peu plié. Voilà. De l'autre côté, c'est exactement les mêmes qu'il y avait. Donc là, une fois que ça c'est fait, c'est libéré. Hop. Tu vois, c'est chiant parce que là tu as des tiges et les tiges, tu peux pas les enlever. C'est ça le plus chiant. C'est les tiges. Va comprendre, c'est gras. Tu m'étonnes que ça a du mal à freiner. C'est tout gras. Alors les mâchoires, ils sont cordonnes. Hein. Mais comme j'ai déjà changé d'autre côté, je vais en remettre des nouvelles. Parce que comme il va y avoir des contrôles techniques qui vont arriver, et ben il va voir qu'il y a un déséquilibre. D'ailleurs, va savoir pourquoi la roue arrière droite, elle ne freine pas. Soit j'ai fait une mauvaise purge, ou soit que c'est ça qui est déjà défectueux. Et là, tu vois, là je peux même pas le tirer. C'est casse-burne ça. Le mieux en fait, je crois, c'est de retirer ça. Ouais, je crois que j'avais fini par le retirer. Au plus 13. Voilà. Donc il faut pas que j'oublie de remettre ça. Donc ouais, le mieux c'est de le retirer comme ça, au moins t'es pas emmerdé pour le remettre après. Il n'avait pas fait de l'autre côté, ça me faisait chier. Donc ça je le. De toute façon ça vient de s'enlever. Derrière il y a un ressort, ouais. Donc ça va. Donc ouais, je pourrais peut-être le remettre en une fois. Voilà. Puis là, c'est pas commun parce que c'est du 14. Ah putain, c'est mal. Merde, en fait, je me suis pris sur le mauvais câble. J'ai foutu ma durite sur le. Enfin, mon coupe durite là. J'ai foutu sur la gaine de câble de frein à main. Voilà. Donc ça, on n'a pas les joints. On a oublié. Je crois que c'était des canalisations de frein classiques comme les voitures classiques. Bah non. En fait, c'est des durites aviation. Enfin, des durites comme sur les motos. Donc, faut faire attention parce que derrière, il y a un ressort. Ça, je te le ferai voir après. Il y a un ressort qui tient pour le frein à main.
Ouais, je vais vite parce que sinon je vais perdre tout le liquide là. Bon, là je laisse un peu couler, enfin du moins qu'il va se remplir. Voilà. Je laisse un peu l'air, hop, je la resserre un peu. Tout ça, je te fais voir après. Tu retires tes gants qui sont contaminés de matière de frein. Hein, essaye de récupérer ce que tu peux récupérer, bien sûr, mais ne mets pas en contact les garnitures de frein. Voilà. Donc, ce que je vais faire, en premier temps, je vais remettre ça. J'espère que ça ne va pas tomber là, que je ne vais pas en faire tomber un. Voilà, maintenant les mâchoires elles sont contaminées, sont morts. Normalement, ils sont identiques. Non, ils ne sont pas identiques avec ça là. Donc ça, c'est ce que je t'ai parlé, ça vaut 10 balles le kit là. Je vais mettre de côté. Bon, comme on les a. Autant que je les utilise. Alors. Tu vois ces pions-là, c'est casse-couille. Casse-couille. Hop. Voilà. Oh, tu vois qu'à la main, déjà tu peux le remettre. Et je vais remettre le ressort qui est pris sur ce trou là et qui était repris sur l'autre trou parce que lui ça va être le plus chiant, je pense. Voilà.
Putain. Je les éteins. Voilà. Voilà comment le tout se remet. J'avais fait une erreur, je vois le truc en bas, en fait j'avais pris les mâchoires en sandwich, bah, ça n'aurait pas du tout freiné, ça n'aurait pas été. Donc là c'est bien comme ça, en fait c'est positionné au-dessus, puis bah, ça coulisse. Et voilà, oh, t'as bien mémorisé, bien. Maintenant il ne reste plus qu'à remettre le tambour en place et à refaire la planche du frein, enfin des freins. Pour le remettre, c'est assez simple. Voilà. Des fois, ça rentre tout seul. Ah, il faut pas oublier de remettre le câble de frein à main derrière. Enfin, pas le câble, le ressort du frein à main. Bah, comme tu l'entends, le moteur il tourne. J'ai fini par faire la purge, j'ai tout remis, mais il y a un gros problème, c'est que là, cette charge, il y a un gros déséquilibre. Le roulement arrière gauche, il est à faire là maintenant en urgence. Quand je l'ai remis, ça a du mal se mettre, parce que là maintenant j'ai la roue qui coince. Donc là, je vais aller faire un test routier. Je vais aller faire un test parce que là, c'est la roue en fait, elle est hyper dure. Le frein à main, il est même pas tendu que tu as l'impression que c'est que le frein il est en prise. J'avais entièrement en fait, pour le mieux, il faut retirer le câble du frein à main pour plus du tout avoir de pression dessus. Bon, après, il va avoir un rodage des freins, peut-être que ça s'est amélioré, mais de toute façon, le roulement arrière gauche, il est à faire. Mes parents ont entendu qu'il y avait un bruit quand il roulait, surtout quand il freinait aussi. Bah oui, bah, c'est le roulement, il y a sûr et certain. Donc là, bah, en le remettant, malheureusement, je crois que ça empirait le truc, donc c'est à faire tout de suite en urgence. J'ai même conseillé que quand tu fais les roues arrière, tu changes les roulements directement. Enfin bref. Donc, bah, moi, je suis parti faire un petit test routier, et puis bah, après, de toute façon, c'est ça, il y a quasiment tous les roulements qui sont à faire. Il y avait déjà avant-gauche à faire, mais il est à faire à la presse, voilà. Donc la vidéo tourne à sa fin, moi je vais faire un petit test routier. Au pire j'écris en commentaire la conclusion. Pas en commentaire à la fin de vidéo, je vais écrire un message directement, ce sera décrit. En prenant, est-ce que ça tire à gauche ou est-ce qu'il y a une différence, oui ou non. Mais voilà, en tout cas. Là, les freins arrière sont purgés, j'ai pas purgé l'avant, j'ai pas encore touché, mais en tout cas c'est sûr et certain, le liquide de frein il a changé, il est noir. Le vieux liquide de frein il est sorti tout noir. Voilà, je pouvais même pas dire de le récupérer pour pouvoir l'utiliser sur les autres véhicules. Non, il est sorti noir charbon, donc c'est même pas récupérable. Voilà, moi je suis parti faire mon petit test routier avec la voiture sans permis, et quand tu roules avec une voiture qui a des vitesses, ben souvent tu fais des conneries, tu cherches après la pédale d'embrayage et tu veux passer une vitesse alors qu'il n'y a pas du tout de vitesse à passer. Voilà, c'est tu tires, tu mets vers le haut, tu avances, tu retires, tu mets vers le bas, et voilà. Et enfin vers le bas, c'est tu recules. Alors, déjà, pour le plus grand de vos plaisirs, ah, déjà là j'ai pas mis le frein à main et la voiture j'arrive à la bouger. Bon, ça c'est bien.
pour le plus grand de vos plaisirs. Voilà ce que c'est une voiture sans permis, le modèle EXA. Tout est plastique. Et tout, le truc le plus vieux, c'est l'autoradio. Lui, c'est l'autoradio qui était dans mon AX. C'est le seul truc le plus vieux. Voilà, donc en gros, une voiture sans permis, c'est ça. C'est bien, c'est qu'il y a le neutre, il y a une sécurité. Donc tu peux pas la démarrer si elle n'est pas en neutre. C'est une sécurité, parce que comme c'est un variateur, tu vois, je cherchais après la embrayage, il n'y en a pas. Donc voilà, hop, ici, et là, normalement, bon bah. Ouais, il y a eu une. La pédale d'accélérateur est beaucoup plus haute, c'est pour gagner en accélération. Elle fait pas du 45 km/h, elle fait dans les 70 km/h grâce à cette technique là. Donc en gros, c'est comme si on avait retiré un peu plus sur le câble et allongé la course à la pédale des gaz. Donc du coup, bah, elle accélère plus. Elle freine. Elle avance et elle freine. Oula, bah attends, je vais t'embarquer avec moi, ça va être le plus grand de ton plaisir. Le volant il est complètement à gauche. Regarde, je vais accélérer. Hop, il est de travers. Le volant il est de travers. Ce qui est bien, c'est que je ne peux pas perdre de points. Parce que là, je suis dans un véhicule de législation sans permis, donc pas de points. Même si je passe le permis de conduire, on ne peut pas me retirer de points. Voiture sans permis. Voilà. Là, je lâche le volant, elle part directement à gauche. Il doit y avoir un problème sur une des rotules ou un cardan qui doit être plié. Là, elle part à droite. À gauche, je sais, à droite. Donc, elle le met automatiquement. Il doit y avoir un paro parce qu'il y a le. Ouais, bah, donc, c'est pour ça que le pneu avant gauche il est bouffé. Ouais, c'est un paro à faire. Par contre, il y a un truc que je vais voir. Le truc que je voudrais voir, c'est là, effet droite, 50, je vais accélérer, donc là j'accélère. Et hop, la petite marche arrière pour le levier. Tu vois, là tu peux pas tirer. Tu lèves. Hop, marche arrière. Air pour racing. Ah ouais, c'est racing. Par contre, ne fais pas la connerie de tu fais marche arrière, t'es quand en roulement et que tu passes la marche avant parce que tu vas entendre la boîte, elle va sauter. Ah ouais, pour moi, je l'ai déjà fait. Pas le faire, c'est pas une voiture. Et comme c'est une boîte, petite boîte en aluminium qui est assez fragile, ça coûte 650 balles la boîte. Voilà, pour ton plaisir. Ouais, moi je vais fermer le garage et rendre la voiture. On peut pas faire le roulement. Voilà l'urgence. Un expo. Bien. Allez, je vais essayer de garage. Allez, ciao mes gens, à 22 et à la prochaine.